Alors bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans votre chaîne Comment Info. Très heureux de vous rencontrer, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Et alors on se rencontre cette fois-ci pour partager avec vous une astuce, comment vous pouvez avoir une analyse complète et professionnelle de vos discussions sur WhatsApp. Vous voulez savoir combien de mots vous avez utilisés pour discuter avec quelqu'un. Vous voulez savoir quand vous avez contacté quelqu'un le plus sur WhatsApp, quel est le jour par rapport aux dates, par rapport au jour de la semaine. Et c'est la même chose pour le destinataire. Vous voulez combien de fois il vous a contacté sur WhatsApp, quel était le jour ou bien les jours quand il vous a contacté, et plusieurs informations que vous pouvez les avoir à travers cette application que je vais vous le montrer comment l'utiliser, et sûrement vous allez le trouver, le lien pour la télécharger, vous allez le trouver au-dessus de la vidéo. Alors, commençons maintenant. Accédant à WhatsApp, on va choisir un contact quelconque. Comme vous voyez, il y a une discussion entre moi et un ami. Alors, on va y aller aux trois points en haut de la page. Cliquez, puis cliquez sur plus, puis exporter discussion. Maintenant, ce que vous devez utiliser, c'est l'application que je vous ai dont je vous ai parlé avant quelques secondes. Vous allez trouver le lien pour la télécharger au-dessous de la vidéo. C'est WhatsCloud. On va cliquer et comme vous voyez. Alors maintenant, il m'a donné toutes les informations. Alors c'est de la publicité, il faut se débarrasser d'elle. Très bien. Comme vous voyez, alors il me donne quelques informations ou bien l'analyse de ma discussion avec mon ami Aziz. Il me donne total message count ou bien combien de messages je viens d'envoyer à ce monsieur. C'est 105. Total word cap, le total des mots utilisés sont 29. Message sending frequency, combien de messages j'ai envoyé par jour. Et alors, ils sont 5. Et le mot le utilisé, ou bien le plus utilisé dans cette discussion est celui-là. Et alors, c'est un mot en arabe, c'est Radan. Et alors, en bas, quel est le jour dont on a discuté le plus? C'est le 8 mars 2019. C'était seulement une seule discussion, un seul jour, une seule fois. Et en bas, most active day of the week. Et alors, le jour par rapport à la semaine dont on a discuté. Alors, c'était le vendredi. Maintenant, pour lui, c'est presque la même chose. Il m'a envoyé 6 messages. Il a utilisé 14 mots. Il m'a envoyé 6 messages dans le même jour. Et alors, il m'a contacté le 8 mars 2019. C'était le jour par rapport à la semaine, c'était le vendredi. Et alors, on a discuté seulement le vendredi. Et alors, c'était pour analyser, c'était la manière dont vous devez utiliser pour analyser une discussion entre vous et quelqu'un d'autre. Vous pouvez l'utiliser aussi pour analyser une discussion ou bien plusieurs discussions dans un groupe. On va accéder à un groupe. Alors, je vais voir, est-ce que j'ai sûrement. Alors, celui-là. Très bien. Maintenant, je suis dedans des discussions entre un groupe. Alors, on va cliquer sur les trois points en haut, plus exporter discussion. Et alors, joindre les médias augmentera la taille de l'email. On ne va pas joindre les médias parce qu'ils sont lourds. On va cliquer sur son fichier. Il va faire l'analyse. Très bien, maintenant, on va cliquer sur WhatsCloud. Comme vous voyez. Et alors, pour le premier contact, bon, la publicité encore. Et alors, pour le premier adhérent à ce groupe, et alors c'était moi, Mounir. Et alors, comme vous voyez, je viens d'envoyer 6 messages à travers ce groupe, utiliser 43 mots. Le moyen de messages envoyés par jour, c'est zéro parce que c'est rarement que je participe à la diffusion des messages dans ce groupe. Les mots les plus utilisés sont ici, comme vous le voyez, sont écrits en arabe.
Alors, les jours ou bien les dates dont je viens d'envoyer ou bien d'écrire des messages dans ce groupe ou bien à travers ce groupe, c'était le 16 mars, le 3 mars, le 18 mars et le 8 mars, avec le pourcentage pour chaque jour. Et alors, par rapport à la semaine qu'on voyait, je viens d'envoyer 16,7% le vendredi des messages par rapport au total des messages envoyés à partir de ce groupe ou bien à ce groupe. 16,7 le lundi, 33,3 le dimanche, 33,3 le samedi. Alors, il vous donne une idée générale sur la quantité des messages envoyés par rapport au jour de la semaine. Et alors, il y a un deuxième contact qu'on voyait. Il a envoyé 37 messages, les mots utilisés, les dates qu'on voyait et les jours de la semaine avec la quantité de messages envoyés à travers ce groupe aux adhérents bien membres de ce groupe. Et alors qu'on voyait chaque jour avec le pourcentage des messages envoyés. Et la même chose pour les autres membres de ce groupe qu'on voyait. Toujours, il me donne une analyse complète de la discussion. Et alors, c'était seulement une astuce et une application qui va nous aider à avoir une information, à avoir une vision générale à partir de l'analyse faite par WhatsCloud sur nos activités sur WhatsApp. Et alors, je vous invite à ne pas rater la prochaine vidéo. Elle sera aussi dans le même sujet de WhatsApp, une astuce sur WhatsApp. J'invite ceux qui n'ont pas encore fait de nous rejoindre sur cette chaîne et de s'abonner à Comment Info et de nous aider avec leurs commentaires pour améliorer le niveau de cette chaîne pour qu'elle sera dans vos attentes. Et à bientôt.